Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Huawei Ascend G300, qui est un terminal de moyenne gamme qui a été annoncé en février 2012, à mettre un petit peu à côté du Honor, qui lui a été annoncé l'année dernière, en 2011, et qui est légèrement plus équipé. Alors, on va passer rapidement sur le contenu de la boîte avant de parler spécification. Donc, on a une petite boîte, hop, voilà, il y avait bien sûr le terminal dedans. Toujours un peu de plastique. Une autre boîte. Tout ça, c'est bon pour la nature. Et pas mal de choses. Un bloc secteur qui ici est un peu gros. Je sais pas si c'est celui-là que vous aurez dans le commerce. Mais bon, voilà, ça change pas grand-chose, hein. Des écouteurs très très basiques. Des notices et un câble USB, micro USB. Donc vous voyez ici là, voilà. Donc c'est assez, c'est assez basique comme contenu. De toute façon, c'est le contenu vraiment qu'on trouve dans la plupart des boîtes en ce moment. Alors rapidement, juste pour faire un petit état des lieux au niveau de la taille de l'appareil, avant de parler des specs. Donc le G300, c'est un terminal qui fait à peu près la même taille que le Galaxy S Advance. Et à terme de. Enfin, juste pour avoir une petite référence, voilà, là on a un 4,65 pouces. Et là, je vais vous mettre un 4,3, 4,27 à côté, voilà. Donc ça donne ça à peu près quand, en taille. Donc c'est un petit smartphone, on va dire. Un téléphone de moyenne gamme qui fait une taille, on va dire, moyenne. Puisqu'en fait, c'est un écran 4 pouces. Donc c'est un écran 4 pouces, 480 par 800. On a 4 Go de mémoire interne avec seulement 2,5 qui sont accessibles par l'utilisateur. Donc je vous conseillerais d'acheter une carte micro SD. Vous pouvez m'en rajouter 32 Go en plus. 512 mémo de RAM. Un appareil photo 5 mégapixels ici avec son flash LED. Notez que vous pouvez filmer en 400, en pardon, 800 par 480. Donc pas de 720p sur ce terminal. On a un processeur single core à 1 GHz. Et une batterie à 1500 mAh qui, sur le papier, annonce, alors étrangement, annonce 15 jours en veille et 5 heures en communication. Peut-être que ça, c'est vrai, j'ai pas pu le vérifier, comme d'habitude, de toute façon, sur ce qui est annoncé sur le papier, c'est un peu compliqué. Par contre, à l'utilisation, j'ai vraiment eu l'impression qu'il s'en sortait pas mal du tout avec sa batterie de 1500 mAh. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, normalement, j'ai publié le test du Galaxy S Advance, et il a une batterie de 1500 mAh également, donc c'est celui-là. Mais il a un processeur plus puissant, et du coup, il a une autonomie qui est assez moyenne, et là, on a le même type de capacité pour un processeur moins puissant. Et sincèrement, moi, à l'utilisation, je sens que l'autonomie est plutôt bonne. J'ai une journée complète sans trop de soucis. Après, bien sûr, si vous le laissez tourner toute la nuit en veille et que le lendemain vous le récupérez et que vous comptez passer une journée entière avec en l'utilisant régulièrement, ça risque d'être compliqué. C'est très très rare aujourd'hui, même en moyenne gamme, haut de gamme, les smartphones Android en tout cas qui durent vraiment 2 jours à l'utilisation. Mais je pense qu'en l'utilisant de manière assez, on va dire, calme, modérée, pendant une journée, vous l'éteignez le soir, vous le rallumez le lendemain, vous avez 2 jours, je le pense. C'est ce que j'ai à peu près constaté. Maintenant, je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai constaté en tout cas. Ok, donc ce petit bonhomme, il coûte combien? Bah, il coûte 199 euros nu en ce moment, en précommande chez, pour citer Expansys, mais bon, vous pourrez le trouver ailleurs. Donc, c'est pas très très cher pour un terminal moyenne gamme. Enfin, c'est un terminal moyenne gamme qui, ça se voit encore plus par son prix, hein. 200 euros aujourd'hui, c'est pas très très cher pour ce qu'on trouve avec ses specs, je trouve. 1 euro en ce moment avec forfait chez Bouygues Télécom. Et à titre de référence, donc le Honor, c'est un terminal qui a des specs assez similaires, qui a été testé, hein. Donc vous pouvez regarder son test en parallèle si ça vous intéresse. Avec un petit peu moins de mémoire interne, un meilleur appareil photo. Un meilleur processeur, 1,4 GHz contre 1 GHz ici, et qui a été annoncé un petit peu avant, donc comme je disais en 2011, et qui aujourd'hui est un peu plus cher, il est à 274 euros nu. Voilà, donc ça c'était le petit tour sur les specs et sur le prix pour faire un petit point pour situer l'appareil. Donc on va commencer par le design, donc assez basique hein, pour un terminal Huawei. Hein,
Il n'y a rien de transcendant hein, comme ça, avec voilà, l'écran 4 pouces, au-dessus on a quelques capteurs et on n'a rien d'autre, on n'a pas de caméra frontale. Ensuite, après, sur le bas, on a les touches classiques, menu, accueil et retour. Donc c'est des touches sensibles. Sur la droite, on n'a rien, à part le petit trou ici pour accéder à la batterie. C'est un petit peu étrange parce qu'en fait, on a la batterie, enfin le cache qui est comme ça, et on a ça qui est de cette façon-là, alors que généralement, on l'a d'une autre façon. Et c'est vrai que ça donne l'impression qu'on peut ouvrir, accéder à quelque chose qui peut servir à quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait un peu portefeuille. Enfin, je sais pas, moi je trouve cette intégration étrange, mais en même temps pratique. Quand vous voulez l'ouvrir, hop, vous prenez au milieu et c'est assez rapide. Le bouton on-off verrouillé, déverrouillé et le jack 3.5. Jusqu'à là, rien de nouveau, vraiment d'innovant. On a le port micro USB, le micro, le bouton de volume qui est ici, qui est plutôt sympa en fait. C'est parce qu'il y a un léger, voilà, c'est une seule pièce avec un petit trou au milieu. Ça permet quand vous le saisissez dans la main de se rendre bien compte de la taille du bouton. Je sais pas, moi je le trouve bien, il ressort pas mal, donc c'est plutôt un bon petit bouton. Et puis à l'arrière, bah, on a ce petit revêtement. Alors, c'est pas caoutchouteux, contrairement à ce qu'on peut-être voir là à la caméra. Ça, c'est ce genre de truc, voilà. Ça fait. C'est du plastique avec un relief. Et donc, on a le logo Huawei, Google. Là-haut, l'appareil photo. Donc, c'est pour rappel du 5 mégapixels. Son flash. Un micro secondaire ici. Et le haut-parleur qui est pas mauvais. Qui ressemble pas mal à celui qu'on a sur le S-Advance. Et je pense qu'on a fait le tour pour le design. Alors, niveau prise en main, bah, c'est comme tous les terminaux 4 pouces. Ça tient très très bien en main. Vous le tenez, bon, main droite, main gauche. Il y a pas mal de traces de doigts, désolé. Hein. Ouais. Voilà, c'est assez crado. Je vais essayer d'enlever ça. Vous le tenez comme ça, vous accédez au bouton là-haut avec l'index, ou voilà, de la main gauche avec l'index également. Et puis la touche de volume est accessible rapidement. Il n'y a pas de bouton dédié pour l'appareil photo, mais ça reste, j'ai envie de dire, hélas, bon, c'est pas forcément dramatique, mais ça reste hélas classique. Petit truc à noter toutefois, alors je sais pas si vous aurez ça dans votre version commerciale, c'est très compliqué de vous le dire. En tout cas, j'ai décelé un léger jeu dans l'écran de cet appareil. Donc quand j'appuie ici, alors attendez, que je retrouve exactement où. Voilà, c'est là. Je vais mettre ça à côté du micro pour vous faire entendre. Bon, je sais pas si vous entendez, mais ça fait l'écran en fait s'enfonce légèrement ici. Et c'est un petit peu dommage pour un terminal comme ça. Alors voilà, je sais que c'est pas un prototype, j'ai la boîte commerciale, donc potentiellement ça veut dire que ça peut vous arriver. Bon, je dis pas que c'est dramatique et je dis pas que vous l'aurez dès la sortie de la boîte, mais c'est quand même quelque chose d'un petit peu dommage. Alors, je pense que ce test il va aller assez vite, parce que j'ai déjà testé un terminal avec cette surcouche, et donc c'était le Honor. Globalement, c'est une sorte de Honor avec des specs, avec pardon, des perfs moins bonnes. C'est pas sensiblement moins bon, mais c'est quand même moins bon. Alors, vous avez cet écran de déverrouillage. Vous allez à droite pour déverrouiller directement l'écran. Sinon, vous pouvez également lancer directement l'appareil photo, accéder aux messages et aux appels. Et ça, c'est vraiment bien fait. C'est très très basique. Ça marche bien. Pas grand chose à dire de plus. Ensuite, quand vous rentrez là-dedans, bah c'est du Android hein, classique, avec surcouche. Donc on a des pages d'accueil qu'on peut personnaliser, on a un tiroir des notifications, on a des widgets, ce genre de choses. Donc vous restez appuyé sur un widget, vous pouvez le supprimer de cette façon. Vous pouvez déplacer un widget en le déposant, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà bien, hein, si vous avez déjà un terminal sous Android. Hop, on peut ajouter un widget, on a la liste qui s'affiche ici, c'est pas très sexy, mais c'est ce qu'on a de base dans Gingerbread en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec cet appareil et globalement la surcouche Huawei sur les terminaux de moyenne gamme, parce qu'elle est différente sur les autres, c'est que c'est du Gingerbread, en tout cas ici dans cette version 2.3. je sais plus, 0.6 je crois, bon ça change pas grand chose, on va juste aller voir pour vérifier, 2.3.6, non. Si, pardon, 0.6. En 2.3.6, bah, c'est vraiment Gingerbread avec quelques petits ajouts dessus. Rien de transcendant et pareil que sur le Honor. Donc on va essayer d'aller assez rapidement. Alors là, on a le tiroir qu'on peut
qui permet d'accéder à différents paramètres en accès rapide, notamment le GPS, la data. Je trouve ça pas mal d'avoir la data et la rotation auto là-haut en accès rapide. Ça marche plutôt bien. On a bien sûr toutes les pages d'accueil. Vous pouvez changer de fond d'écran, créer des dossiers, etc., etc. Bon, ça, on connaît déjà pas mal. On a tout ce qui est saisie, enfin composition de numéro. Vous commencez à mettre votre numéro. Vous avez des propositions qui s'affichent juste ici. Donc, si par exemple, alors attendez, toc, je vais essayer. J'ai plus mes contacts, je ne sais pas pourquoi. On va aller voir ça. Bon, c'est pas grave. On a bon, j'ai juste deux contacts là, mais c'est pour illustrer. Hein. Donc vous avez vu quand on commence à taper un numéro. Voilà, en dessous il y a écrit répondeur parce que c'est mon répondeur. Je peux l'appeler ensuite directement. J'ai le journal des appels, les contacts ici. C'est très très classique Android. Hein. Là, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'avais configuré des comptes, mais ils y sont, je sais plus où ils sont passés. J'ai dû déconfigurer mon truc. C'est pas grave. Mais donc voilà, vous avez le journal d'appel, les détails ici. Si vous avez envie d'aller peut-être un peu plus loin aussi dans la surcouche, n'hésitez pas à regarder le test du Honor. Hein. Ça, c'est vraiment pour refaire un tour un petit peu plus rapidement. On a aussi les flux qui s'ajoutent directement ici. Donc ça, c'est les flux pour les réseaux sociaux. Au niveau du multitâche, ça se passe comme ça. Il suffit d'appuyer de cette façon. C'est pas mal, mais si je me trompe pas, sur le Honor, on avait un système de multitâche un peu plus sympa. Avec ouais, avec les petites fenêtres en bas et la possibilité de fermer. Donc ça c'est intéressant. Voir qu'il y a peut-être une surcouche un petit peu moins poussée sur ce G300. Niveau fluidité, c'est important de noter que c'est pas pareil que sur le Honor. Sur le Honor, j'avais vraiment noté que les transitions entre les pages se faisaient de manière très très fluide. Là, on a quelque chose de beaucoup moins fluide. C'est pas problématique, c'est pas non plus pas fluide. On peut pas le qualifier de non fluide réellement, mais clairement à l'œil et clairement à l'utilisation, on voit que c'est beaucoup moins réactif, beaucoup moins agréable. C'est pas en gros, c'est pas un problème hein, comme je vous disais, mais ça se voit clairement. Ensuite, on arrive dans le menu là, on a la possibilité de déplacer les icônes, on peut créer des dossiers, voilà, on peut défiler entre les pages comme ça. Le téléphone, on a vu, contact, journal d'appel, SMS, MMS, on peut créer bien sûr un nouveau message. Donc, je sais pas, je vais taper répondeur, très bien. Donc bonjour, voilà, là je me suis trompé, il va me proposer la possibilité de corriger le mot que j'ai écrit. Et un truc à savoir, c'est que vous avez trois claviers qui sont préinstallés sur le G300. Vous avez le clavier Android, c'est d'ailleurs pas celui qui est activé par défaut, mais c'est celui que j'ai choisi parce que je le préfère quand même, étrangement peut-être. Vous avez le Touchpal, donc qui ressemble à ça. Et je le trouve un peu complexe visuellement, je trouve qu'il prend un peu trop de place. C'est celui, c'est le clavier, un des claviers qui est proposé par Huawei. Donc salut, machin, voilà. Et on en a un troisième qui s'appelle IME Huawei. Et donc c'est celui-là. Je sais pas trop, voilà, c'est celui qui permet de... Ok, d'accord. Ok, c'est celui qui permet d'écrire en chinois. Tout simplement. Ça c'est cool, mais moi ça va pas m'aider. Donc on a deux claviers, on a pardon, le touchpad. Je croyais qu'avec celui-là en fait on pouvait taper normal, enfin normalement. On pouvait taper en français par exemple. Mais non. Donc touchpad Android, moi je trouve que deux claviers déjà de base préinstallés, c'est pas mal du tout. Et puis celui par défaut Android est franchement bien dans le Gingerbread, il corrige bien, il est fluide, il n'y a pas de souci. Sur du 4 pouces, il est bien optimisé. En mode paysage, c'est encore mieux. Vous avez les smileys ici en accès rapide, c'est plutôt sympathique. Maintenant, encore une fois pour Android, hein, si vous n'aimez pas les claviers qui sont proposés par défaut, vous pouvez toujours en télécharger d'autres. Ça permettra de compenser un potentiel manque si vous estimez que le clavier, enfin que les propositions par défaut ne sont pas à votre goût, on va dire. Là, vous avez les bulles. Quand vous envoyez des messages, vous avez un système de bulles, vous pouvez faire de la sélection multiple, ça c'est plutôt sympa, c'est présent un petit peu partout, voilà, sur le téléphone, vous allez là, vous sélectionnez, etc. Et vous avez les bulles qui s'enchaînent, vous pouvez mettre des images, pas mal d'éléments pour faire un MMS. Et donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est pour les textos, on va passer sur le web assez rapidement
Donc, je suis connecté en Wi-Fi. On va aller sur test mobile pour changer. Pour changer, on va aller sur un autre site après. Je sais pas lequel encore, mais je vais déterminer ça. Hop. Voilà, le site a terminé de charger. Donc on a quelque chose de correct, mais disons correct, mais sans plus. C'est-à-dire que c'est là dans l'état pour l'instant, on peut naviguer hein, sur un site léger comme celui-ci. Vous avez vu d'ailleurs le texte qui se remet en forme. Alors là, sur ces pages-là, c'est pas forcément le plus évident. On va aller voir sur un article. Hop, voilà. On va attendre un tout petit peu. Vous voyez le texte qui se remet en page pour permettre une bonne lecture. Voilà, il y a un léger délai sur certains sites, ça peut ne pas marcher très très bien, mais là ça a l'air quand même de marcher correctement. Là on peut changer ça, alors c'est en fait sur test mobile, il y a quelques soucis pour sélectionner du texte. Donc on va aller sur un autre site, on va aller sur Le Monde. Alors je crois qu'ils ont une version version mobile, voilà. Ça va permettre de voir ça. Avec les JO en ce moment à fond. Ah, attendez, on va voir si c'est bon. Non, c'est pas bon. Bon, voilà. Ok, très bien. Accéder au site complet. Sinon, c'est pas drôle si on reste sur le site mobile. Pendant ce temps-là, je vais regarder un petit peu les options ici. Donc, on peut ouvrir une nouvelle fenêtre, accéder aux favoris, surfer, enfin, défiler parmi les fenêtres ouvertes. On peut interrompre le chargement s'il y a un chargement qui est en cours. Sélectionner du texte directement ici. Télécharger, enfin gérer les téléchargements. Voilà ici. Et puis dernière chose importante, les paramètres. Là, avec la taille du texte, etc., etc. Les JavaScript, donc tout ce qui est Flash et JavaScript. Et puis c'est à peu près tout. C'est du grand classique. Je voulais juste voir si on avait... Voilà, ça s'appelle redimensionner, c'est l'option qui permet de remettre en page le texte quand vous zoomez dans un article par exemple. Là sur le site du Monde, ça marche bien, hein, ça marche bien. Donc il a beau être, c'est un petit 1 GHz on va dire, et j'ai testé des 1 GHz qui étaient assez lents sur le web et c'était plutôt pénible. Là on se retrouve avec une expérience qui est plutôt bonne, je vais essayer d'aller dans l'article si c'est possible. Que ce soit juste une brève, je ne sais pas. Non. Bon, j'arrive pas à faire charger un article. Enfin bon, voilà, donc ça c'est ça l'idée. L'expérience est pas mauvaise pour un terminal de cette gamme-là, pour ce prix-là. Je pense qu'on a affaire ici à quelque chose d'ailleurs de même supérieur à la moyenne des terminaux de ce type de gamme. C'est vrai que l'expérience web, généralement, c'est vraiment l'élément qui blesse un petit peu hein, sur les terminaux de moyenne gamme Android. Et là, avec le G300, on a quelque chose de plutôt honorable, hein, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, pour tout ce qui est email, on a deux parties. Comme d'habitude, sous Android, on a le client Gmail proposé par défaut, qui est pas trop mal, et le client proposé par le constructeur. Et dans le cas de Huawei sur ces terminaux moyenne gamme, on a quelque chose d'assez basique, comme vous pouvez le voir au niveau de l'interface. Maintenant, ça fonctionne bien. Vous avez des systèmes de cochage sur le côté, là, comme ça. Vous pouvez accéder aux paramètres, faire actualiser, composer, accéder à tous vos dossiers, gérer différents comptes. Donc, on peut avoir plusieurs comptes et une boîte de réception combinée pour accéder à tous vos messages en même temps, avec un système de couleurs sur la gauche. Pour identifier de quel compte vient le mail en question, vous pouvez. Une fois que vous êtes dans un email, ça ressemble à ça. Je me rappelais plus s'il y avait voilà le pinch to zoom dans les mails. Non, vous ne l'avez pas, vous pouvez pas zoomer, mais bon, ça c'est pas forcément un gros problème. Voilà, on va répondre. C'est pas ce que je voulais écrire, c'est pas grave, voilà. Et donc, bon, c'est assez basique, mais ça fait le boulot. Hein, ça fait le boulot. Et ça, on va dire que ça suffit pour la plupart des utilisateurs. Moi, j'étais justement là, par exemple, en train de chercher des options de mise en forme, ce genre de choses.
Et bon, on peut pas s'attendre à voir ce genre d'options sur tous les terminaux, quoi. Donc on va essayer de voir quand même s'il n'y a pas moyen quand je fais ça. Non, je vois pas grand chose. Non, ok. Donc voilà. Bon, ça c'était pour la partie email. Bien sûr, vous avez des notifications qui arrivent quand vous avez des emails et à vous de gérer ça. Vous pouvez configurer ça sans trop de soucis. Horloge, ça c'est le système de base. Ça fait un peu penser à un système de dock. Si vous posez votre terminal sur votre bureau, ça peut être sympathique. La calculatrice, bon, très bien. L'agenda, avec une interface qui est un peu étrange, un peu surprenante. Mais bien faite, parce que vous n'avez pas écrit mois, semaine, etc. Vous faites 31, 7, 1, c'est plutôt clair. Là, on accède au planning en cours. Là, on peut rajouter un événement. Ce genre de choses. Et toujours, bien sûr, synchronisé avec Google Calendar, hein, comme d'habitude. Bon, au niveau des paramètres, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est les paramètres classiques. Ça, on va pas s'y attarder. On va passer au lecteur musical. Que je trouve assez basique, hein, quand même, ici. Et là, on n'a pas le défilement en paysage ici. Bon, c'est pas grave, hein, ça change pas grand-chose. Les morceaux, playlist, dossier, et on peut accéder à artistes, compositeurs et genres en plus ici. Là, ici, on a un problème de pochette, mais ça, c'est parce que c'est des morceaux qui arrêtent pas de basculer d'un appareil à un autre, et je pense qu'il y a, je sais pas, il y a quelques petits bugs, et du coup, on a la même pochette pour tout, mais c'est pas celle-là. Donc voilà, les options basiques, hein, nouvelles, on peut créer des playlists, lancer une lecture aléatoire, rentrer dans un album, lancer une lecture aléatoire sur tous les morceaux de l'album ou lancer le morceau en question. Donc c'est à la fois basique mais fonctionnel. Moi ça me dérange pas tellement en payant 200 euros ou 1 euro avec forfait d'avoir ce type d'option. Surtout que ça marche bien, c'est ça qui est important. Donc là, je lance le morceau, j'ai la pochette qui s'affiche là. Alors si on était dans une playlist, je pourrais défiler comme ça, on va regarder ça un peu après. Là, c'est la lecture en cours, playlist en cours. Hop. Voilà. Hop. Voilà, vous avez juste une petite notification qui s'affiche comme ça. Voilà. Donc pas de contrôle directement ici. Par contre, bon, si vous... Normalement, il y a un petit widget. Alors, attendez, je vais voir ça. Si je dis pas de bêtises. Ouais, bien sûr. Je vais quand même vous le montrer, hein. D'accord. Désolé, hein, c'est un gros widget. Ça, c'est un peu gênant, je trouve. Par exemple, il devrait détecter automatiquement... Y a de la place sur une autre page et il y a un truc qui est gênant, c'est j'aimerais bien pouvoir le mettre tout en haut et là je peux pas, il garde forcément cet espace en haut, ce genre de choses, alors que lui il peut aller jusqu'en haut. Enfin, c'est ce genre de truc, c'est un petit peu dommage au niveau de la gestion des widgets. Ça, c'est un peu inhérent à Android et pas tellement, parce qu'il y a des constructeurs qui font des efforts là-dessus. Et puis avec Jelly Bean, ça change un petit peu. Donc bon, va falloir attendre un peu pour avoir quelque chose de vraiment correct niveau widget, je pense, sur Android. Donc voilà, ça donne ça niveau contrôle. Ok, ici on a un système de paroles. C'est juste sur certains morceaux et j'ai jamais, pour tout vous dire, réussi à le faire fonctionner. Sur les morceaux que j'ai, en tout cas. Hein, je dis pas que ça marchera pas avec vos morceaux, mais potentiellement, enfin, normalement c'est censé afficher. Voilà les morceaux. Et il y a un petit truc que je voulais juste vous montrer du coup, quand même. C'est le système là de défilement des pochettes. Je voulais juste voir si, voilà, là par contre il y a un mode paysage. Avec un petit cover flow. Allez, on va faire un petit test de haut-parleur. That's right.
qu'on joue un morceau. Alors si la caméra veut bien nous montrer ça, on a le petit derrière, on a des petites animations qui s'affichent. Et je trouve ça assez, assez sympa. Voilà, dis donc, c'était laborieux. Voilà, ça donne ça. Et c'est plutôt chouette, je trouve. Voilà. Donc niveau haut-parleur, c'est pas trop mal. C'est un tout petit peu moins bien que. C'est un mobile que j'ai pour référence là, parce que je viens de le tester à l'instant, c'est le Galaxy S Advance. Son haut-parleur est vraiment pas mal. Là, on a quelque chose un tout petit peu moins bien, mais qui reste pas mal du tout. Un volume assez élevé, quelques petites basses, mais sans trop, bien sûr, comme d'habitude. Certains morceaux qui sont un peu complexes, on va avoir un. Ça va faire une sorte de mélange des sons, ça va pas être trop précis, donc faut pas trop lui en demander, hein. De toute façon je vous conseille jamais, enfin je vous déconseille largement de trop en demander à un haut-parleur d'appareil, enfin de mobile, pardon. Mais bon voilà, c'est globalement pas trop trop mal, c'est pas trop mal. On va dire que c'est dans la moyenne, moyenne peut-être supérieure, supérieur, après ça dépend. Si vous voulez vraiment un mobile en moyenne gamme avec un excellent haut-parleur, c'est peut-être pas celui-ci, mais en tout cas lui il devrait vous satisfaire si vous n'avez pas de besoin très très particulier comme écouter vos podcasts avec le haut-parleur pendant que vous conduisez votre voiture, voilà ce genre de truc. Ok, donc ça c'était pour la musique, tout ça. On va passer à l'appareil photo. Une interface très basique. Mais c'est pas forcément un problème, on a toutes les options ici, donc 5 mégapixels avec la gestion de l'exposition, différents modes de scène dont un mode macro ici. Si vous avez vraiment envie d'optimiser vos prises macro, la qualité, tout est pas mélangé, on est vraiment juste dans photo. L'enregistrement de la position pour géolocaliser vos photos, la balance des blancs et le mode de flash, et ça c'est le zoom qu'on ne peut pas gérer avec les boutons ici, et c'est un petit peu c'est toujours dommage parce que ça n'a aucun strict intérêt de pouvoir gérer le volume pendant qu'on fait une photo, je trouve. Donc je sais pas, c'est bon, c'est comme ça. Il y en a beaucoup, hein, qui ne proposent pas ces options là et pardon, pour prendre une photo restez appuyé, vous prenez votre photo. On va essayer d'en prendre une où le focus va être réussi. Voilà, vous voyez, ça s'est affiché en vert. Et ensuite, vous allez la voir s'afficher là-haut. Et vous pouvez la regarder très rapidement. Ensuite, en mode vidéo, comme je l'ai dit, c'est assez limité. Ça filme en 480p. On a la balance des blancs. Là, on avait juste quelques effets de couleur, rien d'autre. Mode flash, là, c'est pour la lampe torche. Et là, la qualité vidéo. Et donc, si vous mettez, il me semble faible, ça va passer en, je sais pas, peut-être 320 ou un truc comme ça, je pense. Je vais pas essayer parce que c'est un peu trop faible. Enfin, j'aime pas trop. J'aime bien utiliser la qualité max, à part si on a le 720p, 1080p. 720p, souvent, ça suffit. Mais bon, là, autant rester en 480, c'est pas non plus énorme. Et quand vous filmez, ça donne. J'essaie de vous le montrer, mais voilà. Et donc on va essayer de vous montrer ça. Tout ce que je vous montrais là, c'est qu'on n'a pas d'autofocus continu. C'est un peu dommage, c'est pas non plus dramatique et on s'attend à ne pas avoir d'autofocus continu sur ce type de terminaux. Donc grosso modo, alors pour parler rapidement sur la qualité, hein, vous aurez bien sûr l'occasion comme d'habitude de voir un échantillon, même plusieurs échantillons photos et vidéos sur testmobile.fr et sur la chaîne YouTube. Maintenant, en photo, c'est pas trop mal. Les couleurs de temps en temps sont un petit peu. C'est pas facile d'avoir les couleurs justes. Hein. De temps en temps, ça va passer de trop jaune à trop bleu et ça va être compliqué d'avoir quelque chose de très juste. Donc ça m'a un peu déçu. Je sais pas, il y a une gestion de la couleur qui est bizarre. Faut essayer plusieurs fois parfois. Le mode macro est pas mauvais quand il fonctionne, c'est-à-dire en bonnes conditions et. Parfois, faut essayer à plusieurs reprises. Hein. Bon, ça, c'est souvent le cas avec les mobiles, mais là, pour le coup, je l'ai vraiment vu. Vous verrez dans les échantillons, il y a une ou deux macros de fleurs qui sont réussies. Et puis après, je vais avoir toute une série de 5 photos qui sont complètement floues, alors que je m'appliquais. Donc, c'est des trucs comme ça. C'est un peu pénible, faut s'accrocher. Dites-vous que ce terminal va
peut-être pas être le producteur, disons, de photos, votre producteur principal de photos, on va dire. Par contre, le Honor était pas si mal que ça en photo, et puis on avait du 8 mégapixels, donc ça compensait, enfin ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Et puis en vidéo ici, c'est pas non plus terrible, on n'a pas d'autofocus continu, on s'arrête au 480, voilà, et puis on a toujours ce problème de couleur qui est également valable ici, donc je sais pas si c'est software ou si c'est matériel, mais en tout cas c'est, je l'ai constaté également, et vous le verrez dans les échantillons que je posterai. Au niveau de la galerie, elle ressemble à ça, donc c'est classique Android, elle n'a pas été personnalisée par le constructeur. Vous voyez ça par exemple, c'est une macro, alors là c'est encore en train de charger, pourtant c'est une photo capturée avec l'appareil photo. Donc, enfin avec cet appareil. Vous voyez, c'est pas trop mal, la précision est bonne, il n'y a pas vraiment de. Enfin, la profondeur de champ, elle est pas, voilà, c'est pas très très bien géré, c'est-à-dire que c'est normal, c'est ce type d'optique, faut pas trop en demander. Ça fait des photos un petit peu plates, mais je trouve que si, voilà, si vous en sortez bien, vous arrivez à avoir quelque chose d'assez joli. Au niveau des couleurs, ça va quand même. Mais comme je disais, tout dépend, hein. Vous pouvez avoir des trucs vraiment vraiment laids. Je sais pas si j'ai un exemple là. Non, 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 j'ai pas. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai constaté, quoi. Ça, c'était quoi? C'était une tentative de macro, je crois. Enfin bon, voilà. Ça, c'était pour la galerie. Bien sûr, vous pouvez partager vos photos, etc. Une fois que vous êtes dedans, vous avez. Ils appellent ça magnétoscope, mais c'est bon, bah, c'est magnétophone, pardon. Magnétoscope, qu'est-ce que je raconte? Magnétophone, ouais. Radio FM, faut mettre le câble. Le Play Store, bon, pour télécharger tous vos contenus, c'est la place de marché classique Android. Tout le reste, ça, c'est du classique Android, YouTube, etc., etc. On a une horloge météo. Bon, ça, c'est la météo avec la ville. C'est avec AccuWeather.com. Et vous pouvez défiler. Et ça se voit aussi dans ce widget-là. Voilà. Donc ça, c'est classique. Hein. Mais widget météo, il n'y a pas plus classique. La gestion des fichiers directement ici. Gestion du trafic, c'est un utilitaire qui permet de gérer vos consommations data. Pourquoi pas? J'étais passé par là, vous avez également Play Music, donc ça c'est pour Google Music. Vous avez également les fichiers en locaux, enfin en locaux, en local, pardon. Mais donc c'est pas trop mal. Mais voilà, vous pouvez aussi utiliser Google Music, mais le truc c'est qu'en France pour l'instant le service n'est pas dispo, donc ce sera pas très intéressant. Vous avez d'autres choses qui permettent de sauvegarder, de faire, voilà, donc faire des backups de votre terminal, d'accéder aux documents Office, d'installer des fichiers APK de manière. Je sais plus à quoi ça sert ce truc, mais je crois que c'est voilà, c'est ça, c'est pour télécharger des, enfin des, installer des fichiers APK, peut-être d'une manière sécurisée, je ne sais pas, ou plus facile en tout cas. Un accès aux réseaux sociaux, vous pouvez installer Facebook et Twitter qui sont normalement préinstallés. Et puis, c'est à peu près tout. Niveau bench, on a des petits scores. Et je vais vous montrer un jeu en 3D pour terminer, pour parler un peu de performance. Et donc, vous pouvez installer ce type de jeu. C'est juste que, alors il y a certains jeux qui vont vous dire d'emblée non, c'est pas possible, on marche que avec du dual core, on marche que avec du quad core, etc. Bon, soit certains titres qui vont passer. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de jeux où va pas y avoir de tri vraiment, ils vont pas vous bloquer la possibilité de l'acheter. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est profiter du système de test 15 minutes. Si vous téléchargez et achetez un jeu en 3D, et peut-être que c'est rare, mais vous le ferez peut-être sur cet appareil, téléchargez-le, achetez-le, essayez-le tout de suite dans les 10 minutes. Et si vous voyez qu'il n'est pas assez fluide, vous vous faites rembourser dans l'instant. Pour vous faire rembourser, petit rappel, vous allez sur le Play Store dans la fiche du jeu que vous venez d'acheter, il y aura un bouton rembourser. Mais vous avez que 15 minutes. Voilà, donc là on peut jouer avec l'accéléromètre. Au niveau de l'écran, j'en ai pas trop parlé, mais moi je trouve que c'est pas mal, mais il manque peut-être. Enfin, je sais, il est peut-être un peu fort au niveau des contrastes, notamment sur ce jeu-là. Je m'en suis bien rendu compte parce que par exemple le personnage est très très sombre. Ce genre de choses, c'est un peu étrange. L'écran du G300, c'est pas une tuerie, hein. Ça va hein, pour ce type de gamme,
Mais au-delà de ça, voilà, c'est pas du super AMOLED, hein, voilà. Et on le voit direct. Donc là, pour revenir sur l'aspect fluidité, pendant que j'essaye de vous montrer le jeu, c'est pas trop mauvais. Alors là, vous allez me dire, ok, mais tout dépend des jeux. Et c'est tout à fait vrai. C'est qu'effectivement, si le titre est pas optimisé, enfin si le jeu n'est pas optimisé, bah, vous aurez des performances assez mauvaises. Et vice-versa. Donc là, pour ce jeu-là, ça va. C'est-à-dire que c'est un jeu en 3D qui est quand même pas trop moche, on va dire. Et les performances sont correctes. Donc si vous avez envie de jouer à certains jeux en 3D sur cet appareil, ce sera possible. Maintenant, bien sûr, il s'en sortira toujours un peu mieux dans des environnements un peu plus... un peu moins gourmand, on va dire, en termes de ressources, comme voilà, du casual gaming, du Angry Birds, Doodle Jump, ce type de jeu un peu plus, peut-être un peu plus simple. Mais ce sera tout à fait possible de jouer à un jeu comme ça. Par exemple, celui-là, vous pourriez potentiellement l'acheter parce que ça tourne suffisamment bien. Et comme je vous disais, vous pouvez utiliser le système de remboursement pour vous assurer que tout fonctionne correctement avant de réellement acheter le jeu. Voilà, donc ça c'était pour mon tour du mon test du Huawei Ascend G300. Donc qui est un terminal intéressant. Maintenant, moi j'ai quand même une préférence pour le Honor si je devais le comparer au Honor pour différentes façons, alors pour différentes raisons. Alors certes, il est plus cher le Honor. Donc c'est peut-être pas tout à fait juste de comparer le Honor enfin le G300 au Honor, moi non quoi, bon c'est la référence que j'ai en tête. Je trouve que le Honor avait une finition qui était meilleure, un design qui était bon, disons que tous les deux ont des designs un peu bateaux, hein. Le Honor ressemblait beaucoup au Black, à l'Optimus Black. Celui-là, il ressemble un peu tout et rien. Je sais pas, c'est un design un peu neutre, on va dire, à part pour l'arrière qui est peut-être un peu original. Mais niveau design, c'est clair que, et finition surtout, je préférais le Honor qui était vraiment plus dur, qui faisait plus robuste en main. Là, on a quelque chose qui fait un petit peu plus cheap, c'est vrai. Et puis il y a des craquements dans ma version en tout cas, donc ça peut-être que vous les aurez, c'est un peu regrettable. Niveau spec, on voit bien quand même qu'il manque un petit peu de performance sur certaines choses. Donc on sait que dans l'interface, il est moins fluide que le Honor. Sur le web, ça passe. Ça passe bien même d'ailleurs, mais c'est vrai que par rapport à ça, il est bien optimisé. Mais on est quand même en dessous d'une expérience sur, bah, je sais pas, un Honor, un S-Advance, etc. Ce type d'appareils qui sont certes, encore une fois, plus chers, mais c'est bon, c'est un bon moyen c'est un bon moyen de voir où est-ce qu'on aimerait aller. Par contre, pour les terminaux à ce prix-là, à savoir 200 € sous Android, le G300 est très intéressant. Parce que à 200 € sur Android, vous n'avez pas grand-chose. Pour tout vous dire, bah attendez, je vais hop, je connais pas par cœur les prix en ce moment, mais je vais mais 200 €. Qu'est-ce qu'on a en ce moment à 200 €? On a le Desire C de HTC que j'ai un petit peu manipulé. Alors le test arrive également, mais je trouve qu'il manque un peu de fluidité. C'est vraiment du entrée de gamme basique. On a le TiPo et le Miro de Sony, qui sont des terminaux vraiment d'entrée de gamme. Alors j'en ai un sur deux là que je vais tester bientôt. Je suis pas capable encore de vous donner mon avis là-dessus. On a un Défi Mini qui était vraiment pas terrible. On a le Liquid Glow de Acer que j'ai pas encore testé. Donc ça je peux pas donner mon avis. On a le Galaxy Y qui était pas terrible non plus en termes de perf. Donc voilà, je sais pas. Aujourd'hui je pense que pour 200 € sous Android, si vous n'avez pas besoin d'avoir un appareil photo qui soit une tuerie, et un terminal qui fasse tourner tous les derniers titres, tous les derniers jeux en 3D super gourmand, et qui soit toujours voilà au top au niveau fonctionnalité, parce qu'on n'a quand même pas grand-chose dedans, c'est assez basique. Bah, je pense qu'il peut être intéressant, d'autant plus que, comme je le disais tout au début, il est à 1 € avec forfait, donc c'est pas négligeable niveau performance. Alors surtout moi, quand je dis ça, je garde en tête pardon le web, l'expérience web qui est plutôt correcte par rapport au prix. C'est-à-dire que pour ce prix-là, normalement vous avez une expérience web qui est à la limite de, enfin, j'allais dire à la limite de l'acceptable. C'est pas tout à fait vrai. Généralement c'est beaucoup moins bon, c'est surtout ça. Et là vous avez quelque chose de plutôt correct. Et si vous voilà, si vous désactivez par exemple le flash, si vous allez sur des versions mobiles, bah, vous serez complètement à l'aise. Et après, si vous avez besoin de passer sur des versions de sites qui sont un peu plus lourdes, bah, vous avez vu par exemple sur Le Monde, qui est un site assez lourd,
Ah, ça passait très très bien. L'affichage n'était pas magnifique, c'est sûr, mais ça passait très très bien. Voilà. C'était grosso modo ce que j'avais envie de dire sur le G300 aujourd'hui. Dernier point positif d'après moi, c'est l'autonomie de ce terminal. Si vous l'utilisez de manière normale, vous devriez avoir une grosse grosse journée. Et quand je dis normal, c'est on va dire vous cognez pas trop sur le GPS, vous prenez pas une vidéo toutes les heures, etc. Vous avez normalement une bonne autonomie. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur ce Ascend G300 de Huawei, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.